Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien cette fois-ci. Ça m'aura pris quelques tentatives, mais ça y est, j'ai réussi à avoir le micro et a priori, vous êtes tous là. Bonjour à ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur la chaîne YouTube Adobe France. Bonjour aux habitués, bonjour à ceux qui sont du côté behance.net/live/fr. Pour information, vous le savez sans doute déjà, mais la session à laquelle vous assistez va être disponible en direct, mais aussi en replay. Donc dès que vous en avez besoin, vous pouvez nous rejoindre, vous pouvez reprendre le live à la même URL ou retrouver l'ensemble et eh bien plus bas. Donc soit sur votre YouTube, soit sur behance.net/live/fr. Du coup, un petit bonjour à Chris qui est avec nous, bonjour à Street at Night, qui sont du côté YouTube. N'hésitez pas, si vous avez un lien Behance, si vous avez un compte Behance, rejoignez-nous de l'autre côté. Ça me permet en plus de savoir qui fait quoi, et ça, c'est toujours sympa. Bonjour aux habitués sur Behance, je dis bien les habitués parce qu'il y a quand même beaucoup de noms que vous avez déjà entendus ici. Donc bonjour à Delphine, Joël, Camille, Véronique, Franck, Héloïse, Sonia, Camille, je l'ai cité, ça a bougé, Jean-Claude, Nino, Yves et encore un Franck. Il y a beaucoup de Franck aujourd'hui. Vous êtes tous les bienvenus. C'est la journée du Franck. Profitons-en. Aujourd'hui, c'est un sujet autour de la peinture numérique. Attention, j'ai essayé de me retenir et de ne pas vous faire un sujet sur le dessin, mais ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que ça risque de ne pas être très facile. Mais c'est pas très grave. Aussi, je vous redonne aussi, puis aussi, pardon, oula, je vous redonne aussi pour les gens qui nous découvrent le petit calendrier qui va nous permettre de comprendre un petit peu ce qui se passe. Tous les jours de la semaine, on est là dès 14h en direct. Lundi, Pauline recevait Émilie Viscano pour une session autour du graphisme, autour de la typo, de la mise en page. Session fort intéressante. Demain, je reçois Xavier Portela. On va se parler photographie. On va parler de Lightroom et de Photoshop, comme d'habitude. Jeudi, session exceptionnelle. Le Ask Pro sera donné par Vincent Go. Enfin, on sera tous les deux, il y aura Vincent et moi. Et on va vous parler de quatre applications dont vous avez sûrement entendu parler très récemment. On va essayer de vous donner un petit peu des pistes, essayer de comprendre un petit peu à quoi ça sert. Et oui, ça va beaucoup parler de 3D. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre jeudi, ça nous ferait très plaisir, avec plein de questions, mais vous allez voir, ça va être l'homme de la situation. Vincent, il est très très bien sur ça. Et si vous êtes un petit peu rentré dans Substance, vous le connaissez sûrement, c'est lui qui travaille sur toutes les communautés et les réseaux sociaux de Substance. Enfin, vendredi à 14h, Pauline recevra Camille Buisson et elles parleront branding et business. Donc normalement, vous aurez une session bien complète, pleine de petites informations, pleine de points précieux à utiliser et à mettre en œuvre pour vous. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, bah, comme vous le savez très bien, puisque vous êtes un peu des habitués pour beaucoup, je vais vous partager mon écran après l'avoir rangé. J'ai toujours un petit peu ce petit drame de dernière minute de me dire, tiens, j'aurais dû ranger mon écran depuis bien longtemps, et en fait, c'est jamais fait. Donc voilà, c'est maintenant. Et je ne sais pas si vous aussi, vous êtes comme moi et vous avez un grand dossier de choses rangées dedans. Mais moi j'ai ça, et du coup ben, la première petite chose, c'est que je vais vous partager mon Creative Cloud avec mon écran derrière. C'est parti. Donc bienvenue sur Creative Cloud, vous voyez que toutes mes applications sont là, que j'ai même des applications à mettre à jour qui sont des applications bêta. Est-ce que vous êtes à jour sur vos applications? Est-ce que vous avez réussi à trouver tout ce qui pouvait vous intéresser là-dessus? Si vous en avez besoin, ici je cherche à faire du dessin, de la peinture numérique et de l'illustration, je vais donc me caler ici sur le petit onglet Illustration. Et là évidemment les applications qui sont proposées sont Photoshop et Illustrator. Aujourd'hui, on va parler pas mal de Photoshop, pas du tout d'Illustrator, et on va surtout parler de Fresco. Et du coup, je vais vous faire le petit sondage. Déjà, un, vous allez me répondre si vous êtes illustrateur, et vous me répondez, enfin, ou si vous faites au moins de l'illustration de temps en temps, vous n'êtes pas obligé d'en faire un métier complet. Vous me répondez dans le chat, illus 0, 50 ou 100%. La deuxième question qu'on va se poser, ça va être quelle application vous utilisez pour l'illustration. Je pense surtout aux applications CC, parce que ça va me simplifier la tâche de savoir si vous êtes plutôt sur Photoshop, plutôt sur Illustrator,
plutôt déjà sur Fresco, ou est-ce que vous faites partie des quelques-uns qui étaient sur Illustrator Draw ou Photoshop Sketch sur iPad par exemple, qui sont des applications vraiment très chouettes, mais qui maintenant n'ont plus du tout ne vont plus pouvoir faire rougir Fresco, parce qu'elles ont récupéré pas mal de petites choses en plus, et donc ça va être vraiment cool. Du coup, je vois que vous commencez à me répondre. Niki, le chat fonctionne tout à fait sur le du côté Beyond, si j'arrive même à vous lire, c'est bizarre. Et Cosmo KitKat, Yacine, Frédéric, vous êtes tout à fait les bienvenus du côté Beyond. N'hésitez pas, je vous ai mis le lien un petit peu plus haut dans le chat. Donc on me répond de l'illustration à 100%, du fresco, de l'illustration à 50% avec un peu de Photoshop, un peu d'Illustrator, un peu de fresco. Ça c'est Clémentine. Vous remarquerez d'ailleurs, ceux qui sont avec moi sur Behance, vous pouvez cliquer sur le nom des gens qui sont à côté de vous et regarder leur portfolio. Ça vous permet de profiter un petit peu de cette communauté, ça vous permet de profiter des autres artistes. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, illustration, peinture numérique surtout, Photoshop et Fresco. On ne parlera pas forcément de portfolio et Behance, mais je suppose que vous avez bien compris que dès que vous aviez des questions et des envies autour du partage de vos travaux, vous aviez très très nettement intérêt à aller jeter un œil du côté de Behance, si ce n'est pas déjà fait, et à vous construire votre propre portfolio. Vous verrez aussi que pour Fresco, on a déjà pas mal de tutoriels. Il y a une superbe galerie de contenu réalisé avec Fresco que je vous recommande très vivement. Et dans cette galerie, vous verrez qu'il y a des dessins qui sont tradis, il y a des dessins qui sont vraiment très numériques, très vectoriels, il y a des dessins qui sont beaucoup plus matiérés. Il y a vraiment énormément de styles qu'on peut mettre en œuvre avec Fresco, et c'est ça que j'aime bien dedans. Donc je vous le recommande pour que vous puissiez effectivement tester, que vous puissiez regarder, que vous puissiez trouver votre propre style là-dedans. Si vous avez un style. On a reçu très récemment d'ailleurs, tiens c'est une bonne idée, je vais vous parler de la session qu'on a faite il y a quelques semaines. On a fait toute une journée de Art & Talk sur l'illustration. Où es-tu? Illustration un petit peu plus bas, voilà, illustration. On a fait 4 invités sur l'illustration. Il y avait Kyle Webster, il y avait Quentin Reigne, Marine Coiffard, Chloé Veillard qui étaient avec nous. Et durant cette session, eh bien, c'est notamment le live avec Kyle sur lequel il nous a détaillé tout ce qu'on pouvait faire en travail autour de pinceaux, et c'était une session vraiment vraiment excellente. Je vous la recommande vraiment parce que à chaque fois qu'on a la chance d'avoir Kyle avec nous, il nous donne des détails, des manières de fabriquer des pinceaux, des manières de reprendre des styles, des manières d'envisager les couleurs, d'envisager les mélanges, etc. Et de travailler ici par exemple des empreintes pour réussir à fabriquer ici. Alors quand on était à cette étape là, on avait un style Sera qui a été fabriqué dans Photoshop. Donc évidemment, je l'expliquerai pas aussi bien que lui, mais on va essayer de se donner un petit peu des pistes et des manières de travailler. Il nous a aussi donné le détail de quelques pinceaux qui ont été intégrés pour pouvoir travailler dans Photoshop ou dans Fresco. Donc je vous montrerai d'ailleurs comment on rajoute quelques pinceaux dans vos applications. Ça, c'était la session Mega Art & Talk avec Kyle Webster. Ne la ratez pas. Jean-Claude nous dit « J'attends Fresco sur Windows 10 ». Pour le découvrir, il faut y aller, Jean-Claude, parce que ça existe. Si je dis pas de bêtises, Clémentine, qui est avec nous, est déjà sur Windows 10, et elle l'utilise régulièrement. Qu'est-ce qu'on me dit? Donc, des illustrateurs, beaucoup de Photoshop, beaucoup, beaucoup, beaucoup de Photoshop. De l'illustration sur Photoshop, pas mal. Hop, Fresco, Illustrator, etc. Hop, pas de mise à jour de Photoshop, ben ça viendra. Et Rémi nous dit Fresco, ça faisait longtemps. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que ça faisait longtemps. Mais avant de faire longtemps de faire du Fresco, on va faire un petit tour dans Photoshop. Malgré tout. Parce que j'aime bien, parce que c'est important, parce que ça fait partie un petit peu du jeu. Quand je suis dans Photoshop, vous le savez, depuis un certain temps, vous avez accès à la fameuse page d'accueil dans Photoshop. Et cette page d'accueil, elle vous permet de voir, eh bien, soit sur l'accueil, vos travaux récents, les projets que vous avez ouverts le plus récemment, soit elle vous permet d'avoir accès à tous les documents en ligne. Parce que quand vous êtes abonné au Creative Cloud, non seulement vous avez accès à
toutes les applications, vous avez accès à toute la sauvegarde en ligne, vous avez accès aux Adobe Fonts quand vous en avez besoin pour faire des titrages, pour faire des affiches, etc. Mais vous avez aussi accès donc à tout un tas de documents en ligne que vous allez pouvoir partager et vous allez même pouvoir travailler à plusieurs sur le même document. J'ai posté un pseudo-sondage sur Instagram tout à l'heure en vous disant « Est-ce que ça vous tente que je vous fasse une nature morte de chaleur ?» Donc j'ai repris ce petit personnage de Gudetama que j'aimais bien et je me dis que ça peut être une bonne base. Donc je vous demande pas un plébiscite, je sais pas qui connaît Gudetama, mais si vous le connaissez, tant mieux, si vous le connaissez pas, tant pis. J'ai jamais regardé l'animé de ça, mais j'aime vraiment trop ce personnage de John Duff, qui est tellement fainéant, tellement flemmard, que ça en devient fort sympathique. Je vais faire un petit truc d'ailleurs là-dessus, hop. C'est que, en fait, ce dessin-là, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas réalisé sur Photoshop, je l'ai réalisé sur Fresco, sur l'iPad, et du coup, ben, je vais vous repartager 2 secondes mon iPad, toc, en vidéo, toc, sur l'iPad directement, hop. Je vais l'ouvrir là, alors il va peut-être faire la tête, parce qu'il y a 2 applications en cours et le même dessin ouvert. Mais du coup, ce que je m'étais amusé à faire, et on y reviendra tout à l'heure, c'était d'abord un croquis préparatoire. Ensuite, une fois que j'ai mon croquis, donc de n'afficher que le bon élément. Et je suis parti ici sur l'export dans Fresco, et je lui ai demandé au niveau de l'export d'exporter un accéléré pour que vous puissiez voir la construction. Ça, c'est un truc que je trouve assez magique en fait, qu'on n'a évidemment pas sur le papier ni en standard à l'intérieur de Photoshop, mais pouvoir sortir un accéléré du boulot, c'est toujours hyper hyper rigolo, hyper positif. Parce que ça vous permet de voir un petit peu les étapes, de voir le temps que vous avez passé sur une illus. Là par exemple, tout à l'heure on ira voir les pinceaux naturels. Alors l'avocat, je l'ai pas ici. L'avocat, je l'ai posé. L'avocat, je l'ai posé. Tic. Oups. Reviens dans le petit avocat. On va essayer de retrouver le dessin de l'avocat, la vidéo de l'avocat. Hop, c'est ici. Il y a beaucoup trop d'enfants dans cette date. L'avocat, en fait, je l'ai réalisé sur Fresco. Et pareil, pouvoir monter un timelapse à partir de ça, c'est vrai que c'est un truc qui est plutôt cool. Parce que du coup, on se rend compte que les médias naturels qu'on avait l'habitude d'utiliser vont se retrouver vraiment comme des sources hyper hyper pertinentes, avec des ressentis matières qui sont tout à fait corrects et qui correspondent à ce qu'on pourrait faire en naturel, avec un truc en plus que je ne renie pas, loin de là, qui est le fait qu'on puisse annuler. Et je sais, vous allez me dire, oui, mais tu veux annuler, mais pourquoi tu veux annuler? C'est trop bizarre. Ben, moi, je veux annuler parce que je suis pas forcément sûr de ce que je fais en permanence. Il y a des tas de moments où je vais hésiter, il y a des tas de moments où je vais me dire, ah oui, mais tiens, j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça, etc. Donc voilà l'idée un petit peu là-dessus. Jean-Claude me dit, CC me dit que c'est pas compatible avec la carte graphique. Ah bah oui, c'est pas du tout une attente de Windows 10, ça existe dessus. Il y a une chose que j'aime bien avec le format PSDC, c'est qu'on peut conserver les versions contrairement au stockage sur le disque. Tiens, ça c'est intéressant comme remarque, parce que on est un petit peu loin de la partie purement dessin, mais c'est vrai que quand vous travaillez dessus, vous passez dans le menu fenêtre, historique des versions, et vous allez pouvoir retrouver par exemple sur cette illustration les différentes étapes. Donc j'ai commencé là juste autour du déj, feuille blanche, normal, puis j'ai avancé sur le premier œuf, puis j'ai la deuxième version qui est celle que je viens d'ouvrir ici. Et si je regarde par exemple sur mon avocat, normalement l'avocat, je dois avoir un petit peu plus de matière, voilà. Donc je vais retrouver l'esquisse, je vais retrouver les premières étapes de couleur, je vais retrouver le volume, et puis on va retrouver les étapes suivantes, c'est-à-dire tous les moments où j'ai retravaillé, peut-être un petit détail, un petit élément. Et ce qui sera intéressant pour nous là-dessus, eh bien, c'est qu'on pourra à tout moment revenir sur une version précédente. Et vous pouvez choisir de revenir sur une version précédente, par exemple, je reviens sur celle-ci, vous pouvez choisir soit de la nommer, parce que vous trouvez que c'est important qu'on s'en rappelle vraiment,
soit rétablir cette version, c'est-à-dire que vous annulez toutes les modifications que vous avez fait entre deux, soit l'ouvrir dans un nouvel onglet, ça veut dire que vous aurez un nouveau document à partir de cette étape-là. Et donc ça va vous permettre de faire ce qu'on appellerait des branches dans le domaine du développement. Vous allez dire, bah tiens, j'avais une base qui était bien, j'ai envie de tester quelque chose dessus. Est-ce qu'on peut faire jouer le timelapse un petit peu plus lentement, me demande Yves. Je sais pas, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. C'est rigolo ces timelapses et c'est plutôt instructif tant qu'on... Autant quand on voit les siens que quand on voit ceux des autres. Ouais, je suis entièrement d'accord. Moi, la fonction de timelapse, je la trouve vraiment hyper pertinente en dessin, parce qu'on arrive à comprendre aussi que même des illustrateurs qu'on aime bien, qui sont très talentueux, ils ont aussi des étapes. Ils ont aussi des étapes de dessin, ils ont aussi des étapes d'esquisse. Et après, une fois qu'ils maîtrisent complètement un tracé, une forme, ils vont pouvoir la réutiliser. Donc je vous avais dit, hein, aujourd'hui j'essaye de pas me focaliser sur le dessin, même si j'aime bien, même si je sais qu'on a moyen de faire ça. Je vais rester dans Photoshop dans un premier temps. Et dans mon Photoshop, en fait, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais me mettre dans l'espace de travail qui s'appelle ici peinture. Donc vous avez tous sans doute les espaces de travail. Si vous utilisez peinture, on va essayer de se mettre à peu près pareil, donc je vais le réinitialiser, comme ça on aura tous la même chose au départ. Et vous verrez que moi j'ai 2-3 manières de fonctionner avec, 2-3 rangements où je me dis tiens là c'est peut-être un peu plus pertinent par rapport à mes besoins. Par exemple, le premier truc que je fais souvent c'est que je sors les pinceaux, parce que je sais qu'il y a plein de pinceaux, je sais qu'il y a plein de manières d'en récupérer d'autres, notamment bah, par exemple, il y avait les pinceaux de l'été par Kyle Webster, que j'aime bien, bah, je peux retrouver ces pinceaux-là. Quand j'ai besoin d'ajouter des pinceaux, je vais pouvoir lui demander ici petit plus d'enregistrer un pinceau donc qui est celui que j'utilise pour le dessin, mais je pourrais aussi lui dire bah, j'aimerais bien récupérer d'autres séries de pinceaux. Et là, ça va se retrouver ici, dans ce petit menu déroulant. Et je vais pouvoir lui dire, tiens, là, on va ajouter, alors soit les pinceaux par défaut. Vous avez déjà des pinceaux spécifiques, vous voulez revenir aux pinceaux, et bien, vous voulez retrouver les pinceaux, les outils prédéfinis hérités, les très anciens, ils sont toujours là. Mais vous pouvez aussi importer. Importer des pinceaux, ça veut dire récupérer les fichiers .abr. Et quand vous aurez sélectionné plusieurs pinceaux, ou un dossier de pinceau, eh bien vous pourrez exporter ces dossiers pour pouvoir transmettre soit bien des utilisateurs que vous connaissez, soit tout simplement à votre vous du futur, et votre moi du futur sera ravi de retrouver toutes ces brosses bien organisées. Et il y a le bouton magique, obtenir plus de pinceaux. Je vous en parle à peu près à chaque fois qu'on fait une session Photoshop dessin, à chaque fois qu'on retravaille là-dessus. Obtenir plus de pinceaux, en fait, ça va vous permettre de vous retrouver à l'intérieur de votre navigateur. Et sur votre navigateur, eh bien, vous allez pouvoir télécharger des nouvelles brosses. Vous aurez les brosses ici, les brosses de l'été 2021, c'est celles que je vais utiliser par là. Vous aurez toutes les brosses qui ont été conçues au fur et à mesure par Kyle Webster. Et si vous ne connaissez pas encore Kyle Webster, ce qui m'étonnerait un petit peu peut-être pour les gens qui nous suivent régulièrement, mais pour les autres, je vous redonne son petit nom, kyle.t.webster, et vous verrez que c'est un artiste assez complet en termes d'illustration, qu'il travaille à la fois donc sur ses propres illustrations pour des clients, etc. Mais il travaille énormément pour l'équipe d'Adobe, et c'est lui qui va vous réaliser tout un tas de brosses, tout un tas de pinceaux qui vous permettent eh bien, de faire du à la manière de. Lui, c'est une partie de son travail. Nino nous dit, j'ai pris toutes les brosses de cette page. Ouais, ben moi aussi, je les ai toutes. Et alors, figurez-vous, si Kyle m'a dit un truc hyper important une fois, et je ne le savais pas. Vous savez qu'il y a tous les pinceaux, pinceaux à sec, humides, etc., les pinceaux de l'hiver, les pinceaux de l'été, les pinceaux d'encre qui coulent, etc. Et il y a un méga-pack. Et dans le méga-pack, on va retrouver des encres, etc. Mais moi, ce que j'avais pas compris au début, c'est que dans le méga-pack, il n'y a pas exactement les mêmes pinceaux que dans les packs individuels. Donc n'hésitez pas, même le méga-pack, il est toujours très très pertinent. Je sais que quand on cherchait des pinceaux la dernière fois, Kyle nous avait dit « Allez regarder dans le Inkbox, il y a tel pinceau, telle brosse qui peut ressembler à tel style, etc. » Et ça, c'est... Enfin, moi je trouve ça assez, assez précieux d'avoir en plus son retour, et on se fera, je pense, encore une série de Kyle, qu'est-ce que tu utiliserais comme brosse pour tel rendu.
Donc ici, je vais reprendre son broyeur. On va se mettre. C'est le broyeur, c'est vraiment pour faire des gros aplats un peu pâteux au-dessus. On peut aussi regretter, comme je suis en train de le faire juste à l'instant, de pas être sur le bon calque. Donc commande majuscule N, vous créez un nouveau calque et vous pouvez lui donner un nom. Et je sais même qu'il y a un petit raccourci pour faire le calque en arrière-plan du calque sur lequel vous êtes, mais je ne l'ai plus en tête. Il doit y avoir un Alt en plus, sûrement. Donc celui-ci, je vais l'appeler couleur. Et majuscule pomme virgule, je peux masquer mon calque. Ouais, je sais que tu n'es pas d'accord que tout ça soit ouvert ensemble. Je suis en train d'essayer de retrouver, et je n'y arrive pas, mais c'est pas grave. J'essaye de retrouver le petit raccourci que j'utilise assez régulièrement pour changer l'ordre des calques et je ne l'ai plus en tête. Mais c'est pas très grave. Voilà, donc je vais mettre ma couleur en dessous, donc à l'ancienne. Je vais reprendre mon pinceau, B comme brush. Je vais réutiliser, d'ailleurs, du coup, je vais prendre le brayer CTRL 2, par exemple. Et on va aller donner un petit peu de couleur sur notre goudet d'amas. Et alors, ce que j'aime bien, du coup, je vais vous faire un tout petit bout de tout petit sondage aussi. J'adore les sondages parce que au moins je vois que vous êtes toujours avec moi. Est-ce que vous êtes tous stylet, tablette? Et si vous êtes, alors précisez-moi si vous êtes genre que à la souris ou au trackpad. Vous m'écrivez souris, trackpad, je vous en voudrais pas, hein, il n'y a pas de honte. Et si vous êtes sur stylet, tablette, j'aurais une question, c'est est-ce que vous êtes plutôt sur de la Intuos comme moi, donc la tablette à un endroit et l'écran qui est déporté, ou est-ce que vous êtes plutôt sur de la Cintiq, c'est-à-dire une tablette avec un écran? Quelles que soient les marques et les déclinaisons, ça c'est pas ma problématique. Faut aussi remarquer que les derniers outils de calque sont maintenant associés à un outil. Il faut afficher juste afficher les outils en plus large. Oui, effectivement, j'ai juste resserré un tout petit peu. Hop, voilà. Le petit détail qui a son importance, mine de rien. Merci Yves. Yves, c'est un peu le collègue qui donne les deux trois bons trucs qui vont bien. Effectivement, quand je regarde les différentes brosses de Kyle, quand vous enregistrez un pinceau, auparavant, en fait, vous enregistriez juste la forme du pinceau. Maintenant, vous allez enregistrer le type d'outil avec lequel ça va. Et du coup, si c'est un crayon, ce sera évidemment différent si c'est un pinceau. Ce sera évidemment différent si c'est un pinceau mélangeur. Voilà. D'où l'idée. Donc on a du Intuos, on a du Cintiq, on a du Intuos, Cintiq, tablette écran, souris un peu et un peu vieille tablette Intuos. Ah bon. Ok. Donc moi je peux m'amuser à gérer ma peinture. Je peux mettre ça en place. Et donc selon l'angle que je vais choisir pour mon pinceau, ben, je vais avoir l'orientation du trait qui va changer. Je vais pouvoir justement peindre. Volontairement, je ne me suis pas pris la tête sur la forme du personnage et je suis pas parti sur un personnage très complexe à représenter. J'espère que j'aurai pas de procès pour usage du personnage de Goudet Dama. Par contre, je me rends compte d'un truc. En vrai, je m'en rends pas compte et je l'avais prévu, mais quand même. Je me rends compte que le goudet d'amas que j'ai choisi, en fait, il est très jaune, mais il n'est pas du tout jaune d'œuf. Il a un côté jaune citron qui est mignon, mais qui ne correspond pas du tout à ce qui aurait été souhaité. Du coup, bah, je vais vouloir lui rajouter du rouge ou au moins du orangé dessus. Si je lui rajoute du orangé dessus, je vais le regretter assez vite. Donc, je vais lui demander de prendre un calque en plus, orangé, tac. Je vais lui demander de créer un masque d'écrêtage directement. Et je vais même lui demander de prendre mon pinceau en mode produit. Ce qui fait que quand je vais peindre dessus, ben j'aurai directement le bon pinceau, les bonnes couleurs, et en plus j'aurai directement en fait les accents de lumière que je pourrais souhaiter. Je vais utiliser le fameux raccourci Alt majuscule R pour effacer. Et du coup je vais effacer avec le même type de pinceau. R comme Raise. Je suppose que ça doit venir de là. Et du coup, je vais en effaçant avec le même type de pinceau, Alt majuscule N, je vais repeindre en normal pour pouvoir rajouter de la matière là où j'en ai besoin. Je vais commencer à retrouver un peu ce petit mélange qu'on a sur le personnage et que moi je trouvais intéressant. Il est évidemment beaucoup trop fort pour moi. Je l'ai déjà mis en produit, donc il a déjà mélangé tout ça. Et je peux lui demander en fait de changer la valeur d'opacité. Alors,
Petit truc, si vous avez non pas un ordinateur portable comme ceux sur lequel je travaille là maintenant, mais que vous avez un ordinateur de bureau avec un grand clavier, si vous tapez 3, 4, 5, eh bien vous aurez 30, 40, 50% d'opacité. Sinon, vous pouvez ici directement changer la valeur et surtout faites-le à l'œil par rapport à ce dont vous avez besoin. Ne vous embêtez pas, n'attendez pas de découvrir que c'était pas la bonne couleur, que c'était pas exactement ce que vous souhaitiez là-dedans. Là, je pense qu'avec ces 46%, hop, j'aime bien les valeurs rondes, 50%, on commence à avoir quelque chose qui ressemble un peu plus à Goudé Dama. Ok? Oui. Là, la couleur, etc. Nous avons deux alternatives, tablette écran, iPad, Apple Pencil. Ouais, tout à fait. Apple iPad et Pencil, c'est ce que j'utilise moi dans le canapé. Et après, j'ai pas de, n'ayant pas de boulot pro sur le dessin, enfin si j'en ai, mais c'est différent. Eh bien, je vais pas forcément aller. Je vais plutôt maintenant réaliser une bonne partie de mes illustrations directement sur l'ordi, sur la tablette, pardon. Alors j'ai fait un truc. Je sais pas si vous connaissez celui-là. J'ai utilisé Alt et Contrôle sur le Mac. Donc sur Windows, ce sera le Contrôle clic, ce sera le clic droit et ce sera la touche Alt. Et j'ai appuyé et j'ai glissé vers la droite ou vers la gauche pour changer le diamètre de ma forme. Ça, c'est hyper utile. Si vous le faites vers le haut ou vers le bas, vous allez changer l'opacité de ce pinceau. Opacité très faible, donc quand je vais, on voit peut-être pas aussi faible que ça, du coup je vais gommer progressivement parce que je suis sur un pinceau qui gomme, hop là je vais lui remettre une opacité 100%, hop, et je vais pouvoir gommer et retrouver la bouche de mon petit Goudé Dama, que j'aime beaucoup. Est-ce que ça vous va ça? Sébastien me dit, est-ce que j'ai parlé du stylet 4D, est-ce que c'est bien? Je l'ai testé moi uniquement en festival, je ne l'ai pas testé sur de la prod à long terme. Je sais pas si dans le chat il y a des gens qui ont des stylets 4D sur Wacom, dites-nous. Vous savez, c'est les gros stylets avec une double pointe type marqueur qui permet vraiment d'avoir l'orientation de votre stylet. Ça peut être un truc, ça peut être un truc utile. Et puis vous pouvez du coup échanger ensemble. Donc je vais revenir sur mes couleurs, on va partir sur un bleu ici, et je vais rechercher mon panneau de couleurs, qui est rangé, qui est sans doute rangé. Donc je vais chercher mon panneau de couleurs. Et là on a plusieurs optiques. Ici je suis sur le panneau de couleurs traditionnel avec le cube de teinte. Moi j'aime bien ce panneau parce que j'ai l'habitude en fait de travailler donc un choix de teinte que je vais faire varier, donc uniquement sur la barre ici, je vais me dire bah oui tiens d'ailleurs on va réduire un peu le panneau, ce sera plus lisible, tac, voilà. On peut se dire bah voilà je vais changer la teinte, est-ce que je pars dans des rouges, des verts, des bleus, etc. Et je vais changer donc soit la saturation, donc une teinte très pastel ou au contraire très saturée, soit la luminosité, donc très claire, soit très foncée. Et bien entendu si je suis clair et saturé, bah, j'ai une couleur à plein. Donc vous mélangez pas. Et imaginez ça, vous le voyez forcément quand vous regardez les couleurs qui sont proposées. Imaginez ça plutôt comme un grand triangle dans lequel on irait piocher. D'ailleurs, je vous parle de triangle, mais c'est justement pour ça que quand vous cliquez sur le menu, il vous propose donc le cube de teinte. Donc on change les valeurs autour de la teinte, mais on peut changer les valeurs autour de la luminosité. Celui-là, honnêtement, je ne sais pas m'en servir. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne peux pas choisir une teinte précise. Donc celui-là, je n'en sers jamais. On a la roue chromatique. Et la roue chromatique, c'est celui qu'on voit de plus en plus. D'abord, c'est celui que vous allez avoir à l'intérieur de Fresco. C'est celui que vous allez retrouver lorsque vous allez utiliser pas mal d'applications, parce que vous aurez les teintes. Un petit peu comme je l'avais moi de l'autre côté tout à l'heure avec la barre de teinte, donc qui vous permet de choisir une valeur définie. Et vous allez avoir, donc on va partir sur du bleu parce que je vais repeindre un peu la tasse, et vous allez avoir du coup le fameux triangle de pastel pour la saturation ici, et la luminosité qui va aller dans cette direction-là. Et du coup, vous allez pouvoir vous servir de ça et vous allez pouvoir visualiser votre teinte. Moi, perso, j'aime vraiment bien les deux et c'est à vous de choisir justement ce qui correspondra peut-être le plus à votre usage et à vos besoins en termes de rendu. Et vous inquiétez pas de ce côté-là, c'est juste la carte graphique qui a décidé que le rouge ne passerait jamais, donc on ne travaille jamais sur du rouge. Voilà, c'est juste moi et c'est juste sur la reproduction vidéo. Donc, j'en suis ici.
Et je vais pouvoir lui demander du coup de faire la couleur justement de ma tasse. Et donc ici j'avais une couche de couleur, mais je vais lui demander de faire un nouveau calque de couleur. Et alors si je dis pas de bêtises, hop, j'ai fait Alt-clic, c'est pas ça. Commande-clic, voilà, c'est commande pour avoir le calque en dessous du calque sur lequel vous vous trouvez. Du coup, je peux lui demander donc de prendre ce calque. Je vérifie que je me suis bien mis ici, à nouveau sur le bon mode, parce que j'ai un pinceau, il peint en mode normal, et s'il fait de la peinture en mode normal, eh bien, je vais pouvoir retrouver, c'est le pinceau que vous connaissez. Par contre, on peut tout à fait demander à notre pinceau d'effacer la peinture, et là, il y a un petit raccourci, Alt majuscule R pour Erase, N pour normal, arrière, je suppose que c'est B, mais je suis pas sûr, on va le tester tout à l'heure, et après vous allez retrouver M pour multiply, vous allez retrouver O pour overlay, etc. etc. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Par exemple ici, donc je décide de peindre en mode normal avec le même pinceau que tout à l'heure. Et puis je sais qu'il y a peut-être un liseré sur ma tasse. On va se faire un petit liseré comme ça. Je suis pas hyper fier de la manière dont je dessine. Donc je vais reprendre R pour faire la rotation de mon plan de travail. Et on va essayer de se mettre un petit peu mieux que tout à l'heure. Et du coup là, je vais être dans le bon sens. Mais même dans le bon sens, donc j'hésite pas à dézoomer un petit peu pour pas avoir à faire des gestes de grande amplitude. Et là, je vais lui dire, ok, là c'est pas mal, mais vous voyez, ici et là, ça accroche quand même un petit peu. Donc si ça accroche, on va augmenter une des valeurs à l'intérieur de Photoshop, qui est le lissage. Du coup, est-ce que tout le monde connaît le lissage dans Photoshop? Je trouve que c'est un truc qui est vraiment cool pour la peinture numérique. Un petit peu moins peut-être que pour le dessin. Là, peinture numérique, j'ai besoin d'aller vite, donc souvent je baisse le lissage. Par contre, j'avais un trait à faire, donc je vais augmenter ce lissage, et vous allez voir que quand je vais dessiner, du coup, il va y avoir moins d'achoppement. C'est-à-dire qu'il va me recréer la courbe là où elle aurait été plus pertinente. Donc quitte d'ailleurs à réduire encore un petit peu le trait, hop. Quitte à augmenter, voilà, je vais faire un double tracé ici. Non, c'est peut-être pas le meilleur. Toc. Pouvoir mettre en place les deux. Un petit peu de lissage, je peux encore en mettre un petit peu si je veux. Ça vous va ça? Ouais, pour ancrer, c'est bien utile. Pour ancrer, c'est primordial. Mais je vous ai dit, aujourd'hui, c'est une session peinture, c'est pas une session dessin. Donc si c'est pas une session dessin, on va retourner sur la peinture. Un truc. Là, je suis sur mon goût des damas, je sais que. Donc je vais mettre R pour tourner, je fais Escape. Pardon, R, Escape, voilà, et il se remet droit. Donc R et la touche échappe pour pouvoir le redresser. Je reprends mon pinceau. J'ai pas mal d'artistes qu'on a pu recevoir ici qui me disaient, ouais, moi en fait, j'utilise pas vraiment tous les calques, toute la couleur, etc. Ce serait donc ce qu'on avait vu avec Vincent Rifsaché il y a quelques temps. Ce serait une des problématiques de savoir ce qu'on veut faire avec Photoshop. Et il nous avait fait un super triangle. Qui était celui-ci. Il avait dit qu'on pouvait faire dans Photoshop de la qualité, qu'on pouvait faire dans Photoshop de la rapidité et qu'on pouvait faire dans Photoshop de la sécurité. Et du coup, ben, la qualité, ça veut dire que chaque pixel, j'ai défini exactement ce que je veux. C'est vraiment plutôt pour faire du photoréalisme. La rapidité, eh bien, j'ai besoin de m'assurer que tout avance au mieux. Et donc, ça va être plutôt pour de la peinture, où vous n'allez pas vous embêter avec les calques, pas vous embêter avec les compos de calques, etc. Vous allez peindre directement. Et le petit dernier, c'était la sécurité. Et la sécurité, en fait, c'est ce moment où vous allez avoir autant de calques que de tests, que d'essais, autant de calques que de versions, et que vous allez pouvoir proposer à votre client. Et là, ce serait un tout autre sujet sur les compositions de calques, mais comme on l'a abordé des dizaines de fois sur la chaîne, eh bien, je vous propose de revoir une autre session sur laquelle on va parler des compos de calques. Ok, ça vous va ça? Qualité, rapidité, sécurité, et merci à Vincent Rissaché. Si vous en avez envie, n'hésitez pas à regarder sa session. Je vais vous écrire son nom ici. Vincent Rissaché Adobe. Et vous retrouverez justement la masterclass retouche photo qui a eu lieu en février 2020, avant même qu'on soit sur Behance. Et vous verrez que c'est assez exceptionnel. Pendant 2 heures, il nous a refait le tour de Photoshop. Il nous a refait tout l'historique. C'était assez magique. Donc n'hésitez pas. Il était d'ailleurs présent à un Creative Drink Up pour parler de tout ça aussi. Voilà, ça c'était le petit élément. Ok? Sébastien me dit, c'est pas simple le lissage parce que ça fait ramer. Ouais, je suis d'accord.
Ça fait ramer pour une bonne et simple raison, c'est que Photoshop peut pas non plus envisager, imaginer exactement ce que vous voulez faire dessus. Et le lissage, en fait, ben, par exemple, pour les volutes qui sont ici, quand je vais prendre mon pinceau, si j'augmente le lissage, je peux lui demander d'avoir un lissage particulier, et le lissage, je peux l'avoir en mode ficelle tirée. Le mode ficelle tirée, il est très très bizarre quand on l'a jamais utilisé. Par exemple, ici, vous voyez, je vais dessiner et je vais tirer une ficelle qui va un petit peu plus loin. Comme ça, j'aurai un trait vraiment parfait. Et c'est Photoshop qui fera le calcul à ma place pour le reste. Et moi, c'est un truc que j'aime assez, mais ça demande une petite pratique pour pouvoir être sûr de pas se rater. Vous voyez, là, j'ai tiré dessus et en fait, je suis pas allé très très loin. Donc, est-ce que je peux réduire donc la zone de lissage? Hop. Et comme ça, je vais retrouver exactement ce dont j'ai besoin. Ok, ça c'est le mode ficelle tirée. Et dans les modes de lissage, donc on a le mode ficelle tirée, on a le mode qui permet de rattraper les traits et de rattraper la pointe du trait, parce que parfois, selon l'âge de votre stylet, selon l'âge des pointes de votre stylet, eh bien vous n'avez pas exactement ce que vous voulez. Et du coup, vous pouvez demander à Photoshop de vous aider. Ça vous va ça? Ok. Je continue d'avancer. Là, on a vu de la couleur vraiment en aplat avec des gros pinceaux un peu dégueux, mais c'est pas très grave. Et ce qu'on va remarquer aussi, c'est que dans les pinceaux qui ont été proposés, notamment ceux par Kyle, eh bien, vous allez avoir, par exemple, des pinceaux de la peinture à l'huile. Vous allez me dire, attention, peinture à l'huile, c'est compliqué dans Photoshop. Ça implique pas mal de choses. Et ce que vous verrez, c'est que la peinture à l'huile dans Photoshop, en fait, c'est pas les mêmes pinceaux. C'est pas juste des pinceaux comme tout à l'heure où on avait le pinceau comme ici où on avait le pinceau classique. La peinture à l'huile, c'est vraiment tellement spécifique que Photoshop en fait va utiliser ce qu'on appelle les mixer brush, donc des pinceaux qui vont lui permettre de mélanger la couleur existante. Alors je vous montre, on va masquer toute cette première couleur de Goudé Dama. Non, on va aller pipetter d'abord la couleur du jaune d'œuf parce qu'elle me plaît bien. On masque tout ce petit monde et on va se créer un petit calque qu'on va appeler huile. C'est important l'huile pour la cuisson. Tac. Et du coup, quand je prends mon pinceau à l'huile, je vais prendre du coup le. Je vais choisir un des pinceaux d'huile véritable par Kyle. Alors je peux augmenter en fait la taille, le rendu, pour voir exactement ce que ça va donner. Je ne dois pas pouvoir les augmenter indéfiniment, mais vous voyez qu'on a déjà une bonne première approche du type de pinceau. On va refermer le Inkbox, on va rester juste sur les huiles, et quand on regarde ces pinceaux-là, en fait, on peut voir deux trucs. On peut voir à la fois le pinceau, et on peut demander, et ça c'est un petit truc en plus, on peut demander à afficher donc la pointe du pinceau, ce qui pour certains pinceaux ben, vous permettra de comprendre quel type de forme on va avoir. Est-ce qu'on va avoir une forme un peu traînante? Est-ce qu'on va avoir une forme un peu touffue? J'ai pas du tout de termes techniques de prof de peinture, mais hop, on va se mettre là. Donc je viens, j'ai pas du tout fait sur le bon calque, c'est pas grave, on va se faire un nouveau calque qui sera vraiment huile. Voilà. Et du coup, donc je suis sur mon calque d'huile, et là je vais pouvoir utiliser en fait le pinceau. Et là ici, il me dit que c'est un bristle cut, donc c'est des poils de pinceau qui ont été délicatement découpés. Vous allez voir aussi là-dedans que j'ai des poils de pinceau qui sont traînés. Je vais avoir des poils de pinceau qui vont être bob, donc un petit peu plus resserrés. Je vais avoir tout un tas de manières de prendre la peinture jusqu'à ce qu'on arrive ici au bristle blender. Et le bristle blender, en fait, ce qu'il va faire, vous voyez ici, il ne me fait rien du tout. Je suis en train de peindre en blanc. Par contre, dès que je m'approche d'un élément existant, il va mélanger deux zones de couleurs. Vous allez me dire, c'est cool, mais tu aurais pu peindre sur Goudé Dama. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout nettoyer. Je vais reprendre mon bristle, je vais reprendre un pinceau. Donc, on va prendre cette huile-là. On va lui donner de la couleur. Puis regardez, alors c'est un peu subtil au début, mais la manière en fait dont je peins, quand je peins, je vais avoir l'empreinte du pinceau qui va changer à chaque coup de peinture. Ça, c'est plutôt cool. Et surtout, qui va suivre la direction
que je vais donner sur ma peinture. Et une fois que j'aurai choisi donc une première, que j'aurai fait un premier tour là-dessus, je peux lui demander d'aller chercher le fameux blender qui permet de mélanger, mais je vais faire évoluer un tout petit peu ma couleur. Donc on va venir là-dessus, on va prendre le blender sans charge, et on va aller, tac, alors on va aller d'abord lui remettre un peu, tac, la couleur, il a chaud ce petit personnage. Une fois que je lui ai mis de la couleur, là je vais chercher mon blender. Et là, vous allez voir qu'en fait on va mélanger. Ça va être un petit peu l'équivalent du doigt à l'intérieur de Photoshop. Et du coup on va pouvoir redonner cet aspect là dessus. On va pouvoir étaler la peinture. Et en étalant la peinture, vous voyez qu'à chaque fois il va aller piocher, il va aller récupérer de la peinture sans trop nous embêter. Prédictif ou correctif, nous dit Christophe. Ah, ça c'est une bonne question. Donc j'en suis là, voilà, on va travailler là-dessus, on va choisir donc les pinceaux, et puis vous voyez que plus j'avance, et ça c'est un petit truc que j'aime bien aussi dans Photoshop, il y a un réglage sur les pinceaux pour user le pinceau au fur et à mesure. Alors quand je dis user, là sur un pinceau qui comporterait de l'encre, ce serait non pas de l'usure, mais moins de matière au fur et à mesure. Mais par exemple, il y a des pinceaux qui sont, hop, Hero Dibble Brush, ce serait quoi? Ce serait un crayon. Est-ce que le Sketch Pencil, il s'use? Dites-moi, est-ce que vous savez si le Sketch Pencil s'use? On va le tester en large. Hop. Et si je veux savoir si un pinceau va s'user au fur et à mesure, eh bien je vais ouvrir un autre panneau. Là, on a vu le panneau des pinceaux. Quand je clique ici, en fait, j'ai les paramètres des pinceaux. Et dans les paramètres des pinceaux, je vais voir que dans la dynamique des pinceaux, je peux lui demander eh bien, de travailler la dynamique de la forme. Je peux lui demander de travailler la dynamique de diffusion. Est-ce que mon pinceau va être toujours au même endroit ? La texture, je vais pouvoir lui demander de vérifier comment va fonctionner le pinceau ensemble, et je vais pouvoir lui dire au niveau de la pose du pinceau, on peut tout à fait lui demander de changer l'inclinaison de départ pour le pinceau. Ça peut être un truc. On peut regarder l'accumulation du pinceau. Alors pour le coup, c'est que c'est qu'un seul usage. Le transfert. Je ne sais plus du tout où on a l'usure du pinceau. Ce sont les fameux pinceaux érodibles. Donc quand je ne sais pas, hop, je vais lui demander, commande F, et je vais lui demander usure. Est-ce que usure, il va me trouver? Érodible. On va chercher érodible parce que je sais que c'est comme ça normalement en anglais. Non, j'ai pas trouvé ça. Est-ce que dans mes outils prédéfinis, je vais retrouver des pinceaux comme ça? Si quelqu'un se rappelle de ça, je prends hop, Photoshop, Erodible Brush. Je pensais que je le trouverais là-dedans. Ça date en plus, hein, 2012 quand même. Donc est-ce qu'il s'est passé des trucs? Et quel nom ils avaient donné au pinceau en question? Bienvenue sur la pub de YouTube, désolé. Tac. Donc on était sur du dessin, on était sur du tracé, et là il va utiliser quoi du coup? Un pré-réglage avec un pinceau 3D, on va avoir de l'usure dessus. Et du coup en fait il faut que je sois... Ah, peut-être que c'est là, ouais, accumulation, texture... Est-ce que si je suis en crayon ça marche mieux qu'en normal? Non.
Je suis en train de chercher où est ce fameux paramètre d'usure et s'ils n'ont pas juste changé le nom de la pointe et de l'usure de la pointe. Non, je vais pas réussir à mettre la main dessus. Bon, j'espère que vous m'en voudrez pas. C'était vraiment un truc que je trouvais assez cool dans dans le fonctionnement de Photoshop. C'était vraiment de pouvoir se dire que certains pinceaux allaient s'user. Mais quand ça veut pas, ça veut pas. Allez, c'est pas très grave. Donc ça, c'était ma petite recherche sur les pinceaux, tac, les brosses et la manière dont on allait pouvoir les mélanger. Ce que je vais pouvoir faire derrière aussi, c'est que je vais pouvoir lui demander là-dedans comment justement je vais mélanger réellement ces pinceaux. Parce que moi, j'ai pas d'usage, d'habitude, de travailler en mode beaux-arts sur du vrai, de la vraie matière, etc. Je fais beaucoup de choses à partir de connaissances empiriques. Et du coup, l'idée de mélanger des couleurs ensemble pour travailler, c'est un truc qui pour moi est pas forcément simple. Je sais pas qui ici est justement en mode autodidacte et a déjà fait des tests de pinceaux, fait des tests de couleurs, etc. Sans aller sur du tradit. Et donc, quand on n'est pas sur du tradit, ben, comment on recherche, comment on retrouve ces choses-là? Ici, je vais lui demander de chercher du mixer brush. Et du coup, je vais avoir en fait le mélange de de mes différentes couleurs. Par exemple, ici, hop, j'ai le pastel cleaner. Alors, volontairement, hein, je suis à 300% pour qu'on voit bien comment ça vit, comment ça se mélange. Et puis, quand je vais peindre avec ma couleur, en fait, d'habitude, quand j'utilise un pinceau, je pioche la couleur, soit ici dans les couleurs, soit dans le nuancier avec les couleurs récentes. Et quand j'ai pioché ma couleur, ben en fait, j'attrape une valeur de couleur. Mais là, si vous regardez bien en haut de de votre barre de contrôle et de votre barre d'options d'outils, je vais pouvoir charger le pinceau. Et je vais pouvoir, d'habitude, je charge des couleurs unies, juste un aplat d'une couleur. Mais là, je vais pouvoir le charger avec, par exemple, donc je fais Alt. Selon l'endroit où je vais faire Alt, alors je vais me mettre là, vous allez regarder en grand. Selon l'endroit où je vais faire mon Alt-clic, si je suis plus ici, je vais attraper plus de jaune et de violet. Si je suis plus là, je vais attraper du jaune, du bleu. Si je suis plus là, je vais attraper ce mélange-là. Et selon la taille à laquelle vous allez attraper les éléments, bah vous allez attraper plus de couleurs sous le pinceau. Et du coup, vous allez pouvoir retransmettre, vous allez pouvoir remélanger vos couleurs. Là, je suis parti sur des couleurs qui sont très très variées. Maintenant, je peux tout à fait reprendre un pinceau normal. Donc, on va repartir sur un classique. On va aller pipetter la couleur principale. Hop. On va reprendre ici. Je vais nettoyer ma recherche. Pinceau générique, pinceau arrondi net. Donc, je prends ma couleur. Je prends une autre couleur que je vais mélanger plus tard. Je reprends ma troisième couleur de départ. Tac. Et là, je vais pouvoir lui demander, ben oui, tiens, va me chercher le bon pinceau mixer brush ou le bon pinceau blender. Donc si je tape blend, Blen, je fais souvent ça, je fais énormément ça maintenant depuis depuis qu'il y a ce champ de recherche dans le panneau pinceau. Pour moi, c'est devenu hyper important. Et je vais pouvoir lui dire, ben voilà, là, on va aller prendre dans la drawing box ou peut-être dans le paint box, on va aller chercher du trash blend. Trash Blend, en fait, c'est un pinceau doigt qui va aller mélanger les couleurs et il va tellement les mélanger, vous voyez que il va user les couleurs. Alors, on va réduire sa taille pour que ce soit un petit peu plus utilisable et là, on va faire ben, un effet d'estompe avec le doigt dans Photoshop qui va aller piocher les couleurs autour. J'ai un Wet Blender qui va aller chercher de la couleur et qui du coup va rajouter de la matière. Vous voyez que dans le premier, j'étais en train de me mélanger avec du blanc. Dans le deuxième, je vais avoir un mélange en fonction du type de couleur. Par contre, à chaque fois que je mélange mes couleurs là-dedans, eh bien, je me retrouve avec un effet évidemment beaucoup plus pastel au fur et à mesure. Et là, ce pinceau doigt donc, que j'utilise, en fait, il ne va pas aller piocher la couleur. Hein, il va vraiment étaler avec le doigt les outils. Okay? Merci Olivio, ça faisait longtemps que tu n'avais pas vu. Hop, du coup, je peux repartir sur mes huiles. Je vais pouvoir aller piocher mes couleurs ici. Et là, je vais avoir un blender, donc un mélange
de différentes couleurs qui va aller se faire par rapport aux couleurs du fond, par rapport aux couleurs de l'arrière-plan. Et si je trouve que finalement, ce truc-là, c'est un peu moche, mais on pourrait peut-être s'en sortir, on pourrait réussir à trouver une couleur dominante. J'aime bien cette espèce de bleu un peu passé, bleu violine, qui a sûrement un nom en peinture tradie, que j'ai pas. Et bien dans ce cas-là, bah, je vais tout simplement profiter d'être dans Photoshop. Elle, je me fais une sélection, je sélectionne tout ça, je vais pouvoir lui demander de faire un clic droit dessus, je vais pouvoir lui demander de prendre ce petit élément et on va faire un calque par couper. Donc je vais couper ma couleur, je vais la mettre sur un calque à part. Vous aurez peut-être remarqué du coup que mon calque, en fait, il est centré sur l'objet en question. C'est hyper pratique. Si je fais d'ailleurs majuscule commande-clic, j'ai une sélection de cet objet. Mais si je fais alt-clic, j'ai un zoom sur l'élément qui est dans la vignette. Alt-clic par exemple sur le goudet d'amas de départ, pouf, je vais viser le goudet d'amas par rapport à la quantité de peinture, par rapport à la zone de peinture. Donc là, je vais pouvoir prendre ma peinture, alt majuscule, non pas de majuscule d'ailleurs, pour recentrer le truc, tuc, et je vais me faire un fond un peu plus adapté, et je vais le mettre en dessous, parce que c'était quand même un peu l'idée du contenu. Hey, Yamax, salut. Tiens, alors justement, on pourrait parler des brosses. Du coup, donc là, je vais chercher mes gouaches, et je vais aller piocher de la couleur, et je vais aller peindre. Alors, ma gouache me plaît pas là-dedans. Je vais reprendre le fameux Bristle Blender. Tac. Et on va aller choper de la couleur. On va aller mélanger tout ça. J'ai agrandi mon pinceau. J'ai agrandi ma forme pour pouvoir récupérer assez rapidement de la matière dessus, et pour pouvoir mélanger vraiment tout ça en termes de... En termes de forme, ça vous va ça? Oui, non? Non, Franck, ça ne nous intéresse pas. Si vous modifiez les paramètres d'une brosse, enregistrez une nouvelle brosse pour retrouver les paramètres originaux. Un double clic sur le nom de la brosse originale. Oui. Là, par exemple, c'est pas bête du tout. Comme remarque, ça, vous voyez qu'elle a un cadre orange, c'est-à-dire qu'elle a été modifiée. Maintenant, si je crée, donc ce d'après. From, je vais toujours écrire From, comme ça je sais que ça viendra de quelque chose. From Kyle Ruffy 917, je lui dis ok, il me crée une nouvelle brosse. Et du coup, quand je reviens donc sur la brosse sur laquelle on était il y a 2 secondes, même si je change sa forme, eh bien je peux lui demander donc double-clic sur le nom de la brosse, tac, et il va revenir à la taille de départ. Ok. Et maintenant, je sais que je peux aller rechercher From. Sur ce mélange là, et je vais retrouver en fait mon pinceau, je vais retrouver le mélange qui m'intéressait. Hop, et là on commence à être dans la subtilité de l'usage du pinceau. Ouais, bon, content que ça vous plaise. Il est 53, normalement si tout va bien et que je me suis pas planté, on est ensemble pour encore 40 minutes, un petit peu moins peut-être. Mais là, je vous ai beaucoup parlé des brosses tradies et de peinture numérique à l'intérieur de Photoshop. Je vais faire un truc, c'est que celui-là, donc je vais le sauvegarder, commande ou contrôle S. Je vais d'ailleurs, je pourrais tout à fait le faire, prendre mon historique de version et lui dire que celui-ci, on va la garder. Hop, on va prendre 14h53 et on va l'appeler Gudetama All. About Photoshop Bureau. Tac. Donc, j'ai mon élément, il est accroché ici, je vais pouvoir travailler. Je ferme mon document, j'aime mieux le fermer parce que je suis quelqu'un de prudent, pas toujours. Et je vais retourner sur l'iPad. Donc, je pose le stylet Wacom, j'attrape l'Apple Pencil et on est reparti sur la suite de la session. On va masquer tout le reste derrière. On va rester dans le coin, c'est bon, vous avez accès à tout, tout va bien. Première petite chose, je retourne sur la page d'accueil, et là, normalement, comme vous avez vu, il était en train de charger, il a envoyé mon image, et j'ai bien la dernière version de cette image-là. Du coup, je peux regarder sur cette image-là, je peux afficher l'historique des versions, et même sur l'iPad, et surtout, ce que je trouve vraiment cool et vraiment intéressant, c'est que je suis en instantané, ou presque là. J'ai eu le temps de téléchargement, c'est pas un fichier énorme, mais je peux revenir sur les versions précédentes, sur les étapes précédentes de mon dessin, de ma couleur, etc., comme je le veux. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est assez magique là-dessus.
Et donc si ça me plaît, hop, on va revenir là-dessus. On n'a pas besoin de fermer parce qu'en fait, c'était cette version-là. On va laisser charger l'image et on va pouvoir venir dessus. Est-ce qu'il y a un moyen d'enregistrer des brosses, genre les mettre en favoris, pour les retrouver plus facilement, me demande Nino. Bah, c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure dans Photoshop. J'étais dans Photoshop ici. Tac. Et dans mon Photoshop, alors on va se faire un nouveau document pour qu'il n'y ait pas de conflit. J'aime pas les conflits. Et quand je suis dans Photoshop et que j'utilise un pinceau, tac, on va prendre un pinceau, allez, Paintbox, qu'est-ce qu'on a en Paintbox? Ouais, on va mettre des traits de pinceau là-dedans, je vais pas prendre des blenders sinon on va pas s'en sortir. Acrylic Gray Gaze, bon alors c'est pas mal mais c'est pas très très coloré. Hop, j'aime bien cette brosse là et je veux la garder, donc je vais lui dire petit plus, from Kyle Split Open, ok. Je peux récupérer l'épaisseur parce qu'elle me plaît, je peux récupérer la couleur si je sais que c'est important pour moi, et en récupérant donc ces contenus-là, ben, je vais pouvoir les ranger, et je vais pouvoir le mettre par exemple, je vais pouvoir me faire un nouveau dossier, ou le sortir du dossier principal, et là j'ai pu le glisser ici dans Winter, je voudrais juste l'avoir au-dessus, tuc. Et je peux me faire un petit dossier avec les pinceaux qui m'intéressent le plus. Je sais pas si c'est ça qui vous intéressait, Nino. Allez. On va sur Fresco un petit peu. On va sur Fresco, et comme vous savez, là, on est en mode, j'ai commencé mon dessin, j'ai quelques idées sur la manière dont je vais pouvoir avancer. J'ai accès au même pinceau. C'est-à-dire que là, j'ai accès à toutes les brosses. J'ai toutes les brosses Keyfaring, j'ai les brosses de ma bibliothèque. J'ai le nombre de pinceaux dans chaque bibliothèque. Et j'ai petit plus, moyen de récupérer donc soit des fichiers ABR, que j'aurais fabriqué depuis Photoshop, ou que vous pouvez acheter des fichiers ABR. Ici, par exemple, je sais que j'en ai dans mes téléchargements, et j'ai les Runny Inkers, donc qui sont des encreurs qui coulent un petit peu. Ils m'ajoutent les pinceaux, tac, je l'aime bien. On va aller baisser l'opacité de celui-ci, on va créer un nouveau calque pour bosser. Et je vais pouvoir utiliser mon Runny Inker, tac, directement dedans. Ça ressemble un peu au Inky Shredder que j'utilise tout le temps, mais c'est pas exactement le même. On sent qu'il y a une petite différence. Il y a un peu moins le côté hasard qui me plaît beaucoup sur l'autre. Donc on va voir un petit peu comment on peut réutiliser ça. Enfin, je vais voir si je peux l'utiliser parce que je me sens à l'aise ou pas avec. Ok. Donc pareil, je peux décider sur la tablette. Alors désolé pour ceux que ça va. Que je vais perdre au passage en faisant tourner le rendu. Check. Et vous pouvez choisir soit de tourner la tablette directement, soit de tourner le petit rendu. Et là, je vais lui dire, tiens, j'aimerais bien qu'on masque ça. Check. Je vais effacer cette partie-là directement. Je vais effacer même ce petit bout de trait. Et en travaillant du coup sur un pinceau existant, je vais moins me galérer parce qu'il y aura les petites variations dessus quand je vais nettoyer. Et je vais utiliser du coup le petit widget là en haut à gauche pour pouvoir changer, pour pouvoir transformer différemment mon tracé. Ok? Ça, j'en ai plus besoin. On avait dit peinture. Allez, je me retiens. On avait dit peinture, du coup, je vais pas vraiment vous faire de dessin en plus. C'est cruel. Hop. Donc si on fait de la peinture... Rappelez-moi hein, tout à l'heure, je vais sûrement me remettre à un moment à refaire du dessin. Si on fait de la peinture, ben, on va pouvoir aller chercher nos pinceaux. Et je vais chercher mes pinceaux et je vais rechercher le même type de réglage. Et sur Fresco, j'ai accès à tout un tas de réglages aussi. Hein. Ici, on va repartir sur du blanc, peut-être très légèrement, alors vraiment très légèrement bleuté. Donc, vraiment pas grand-chose. Histoire de pouvoir lui dire, tiens, il y a un minimum, une petite pointe de saturation dessus. Et vous allez voir que j'ai les paramètres de pinceau. Et donc, je peux choisir justement comment ça va fonctionner. Je peux régler, par exemple, la dynamique de la forme. Est-ce qu'il va être très différent en termes de taille? Est-ce qu'il va y avoir une taille minimale, maximale, la variation de l'angle, la pression, les contrôles, etc. Il y a vraiment plein de manières de gérer ça. Et tous ces petits réglages, en fait, vous allez les avoir ici. Vous allez avoir la dynamique de forme, la diffusion,
La diffusion, c'est est-ce que ce que vous venez d'écrire, ça va être posé sur le trait ou ici, je suis 400% plus loin, possiblement, que ce qu'on avait mis en place. Donc là, je peux lui dire, hop, on décale un tout petit peu. On peut décaler la diffusion en fonction de la pression du stylo. Et du coup, je vais pouvoir visualiser un petit peu mieux ça. Je vais pouvoir lui demander justement de gérer le transfert, l'opacité, etc. Donc vraiment, une palanquée de petits réglages. Ça, c'est Fresco pour le dessin, mais ça ressemble du coup beaucoup, beaucoup à Photoshop. D'ailleurs, au cas où, hein, si vous avez besoin, vous avez Photoshop sur iPad, qui existe aussi. Vous pouvez vous loguer, vous pouvez retrouver les dessins, etc., etc. Il y a plein de contenus, il y a tout mon travail avec mes dernières images. Il y a quand même pas mal de... Il y a quand même bien de quoi faire. Par contre, ce qui, moi, va m'intéresser là-dedans, c'est que comme on était sur Fresco... Comme on a été sur Fresco, il n'a pas aimé que je lance Photoshop en parallèle. Ça lui a pas plu du tout, j'espère qu'il va me retrouver mon petit goudet d'ama que j'aimais bien. On peut améliorer le lissage, si vous souhaitez l'avoir sur Fresco, placez-le dans les bibliothèques. Oui. Salut à tous, bonjour Lionel, bonjour Charles. Donc je vais reprendre le petit goudet d'ama d'il y a 2 secondes, et je vais profiter du chargement pour prendre aussi un petit verre. Que je vous aime bien, mais je vous parle beaucoup. Donc, j'ai tous mes pinceaux, mais j'ai des trucs qui sont beaucoup plus rigolos et que j'adore, vraiment, qui m'éclatent. Donc, si vous avez déjà vu des sessions, vous savez que je travaille pas mal en aquarelle à côté. Je vais essayer de pas vous faire que de l'aquarelle aujourd'hui, du coup, je vais commencer volontairement par des huiles. Et dans les peintures à l'huile, en fait, on a des peintures qui vont être pâteuses. Et ça, j'aime bien quand c'est pâteux comme ça. Là, pour l'instant, je ne sais pas si vous voyez, j'ai, y a rien sur le calque. Si jamais j'en ai besoin, d'ailleurs, je peux lui demander d'effacer le calque. Et là, je vais pouvoir venir peindre. Et je vais peindre, et quand je, à chaque fois que j'ai chaque coup de pinceau que je vais donner, eh bien, on va retrouver donc, la couleur. Et on va retrouver au fur et à mesure des coups de pinceau que je donne, un mélange en fait, de la couleur de départ et une usure de la couleur. Et je vais pouvoir lui demander, donc ici, j'ai le mélange de la peinture avec ce qu'il y a dessous, ça c'est un truc important, et dans les réglages, je peux lui dire qu'on va recharger la couleur. Ici, si je lui demande de recharger la couleur, eh bien il va démarrer sur la couleur claire, et plus on va avancer, plus on va user et mélanger la couleur de départ. Et si je repars ici, hop, je reclique, donc je repars sur la couleur claire, je vais avoir ce mélange qu'on va pouvoir redonner, qui va me redonner vraiment une matière importante au niveau du dessin. Ça va, ça? Alors, je sais, je ne suis pas forcément le meilleur peintre à l'huile qui existe, parce que vous savez quoi? La peinture à l'huile, c'est très difficile. C'est pas moi qui le dis. Ok. Nino nous demande si Fresco n'existe pas en version bureau. Alors, moi, j'aimerais bien... Il existe, mais il existe uniquement sur les machines Windows, donc tout ce qui est Windows 10, Windows 10, avec un écran tactile intégré. Donc il y a des ordinateurs HP, il y a des Microsoft Surface qui font ça, mais du coup, ben, il faut vérifier. Et puis, je sais plus qui me demandait tout à l'heure, il faut aussi que vos périphériques, que vos cartes graphiques soient à jour, pour qu'il puisse l'utiliser. Je crois que c'était Jean-Claude qui avait besoin de ça. Là, je peins à l'huile, et vous allez voir qu'à chaque coup de pinceau, on va le regarder ici, je peux avoir soit un coup très très léger, qui va faire apparaître la toile, le canevas, soit je vais pouvoir rajouter de la peinture au fur et à mesure, et plus je rajoute de peinture, plus je risque d'étaler les poils du pinceau. C'est assez magique, je vais vraiment étaler ma couleur, je vais venir la chercher. Et après, ce qu'il y a d'intéressant, c'est justement cette histoire de recharger ou non la couleur, eh bien, je vais pouvoir, au fur et à mesure, en fait, user. Je vais pouvoir, au fur et à mesure, utiliser, nettoyer, resalir progressivement les petits contenus sur lesquels on avait travaillé au départ. Et plus j'avance, plus j'ai cet effet un petit peu stuc là-dessus. Ça... On va nettoyer un petit peu tout le monde, voilà. C'est l'histoire des effets
autour du pinceau, autour de la touche. Est-ce que c'est subtil? Est-ce que c'est un peu gras, etc. Moi, je trouve ça assez intéressant. Mais il y a un autre petit truc qu'on peut faire à l'intérieur de Fresco. C'est ici, vous avez le petit, donc celui qu'on va appeler le widget, le modificateur. Et ce petit modificateur, je peux double-cliquer dessus. Je suis pas obligé, hein, je peux le maintenir. Donc je pose mon doigt dessus et je le maintiens. Et là, dans ces cas-là, il va me dire quand je clique dessus que je suis en train de faire du pinceau à sec. Et le pinceau à sec, pour l'instant, j'ai déjà de la couleur. Donc il va déjà me mélanger les pinceaux existants. Et le pinceau à sec, moi, je pourrais m'en servir, par exemple, pour pouvoir nettoyer des bouts de ma peinture. Ici, je suis sur du 130. En réalité, j'ai besoin de beaucoup moins. Donc on va le baisser peut-être à 16. Et par contre, on va augmenter un peu saturation et couleur. Du coup, je vais pouvoir lui dire, tiens, on va aller piocher la couleur là-dedans. On va bien lui demander de recharger la couleur, parce que sinon ça va m'agacer de ne pas retrouver la couleur qu'on avait mis en place. Hein, parce qu'au fur et à mesure, à chaque trait de pinceau, il récupère ce qu'il trouve sur le canevas. Ça, c'est assez exceptionnel en termes d'usage. Et ce que je vais pouvoir faire derrière, justement, pour pouvoir retrouver justement ce côté peinture tradie, c'est que je vais pouvoir lui demander ici d'utiliser le doigt. Le pinceau d'étalement. Je vais prendre un pinceau de base et vous allez voir que du coup je vais pouvoir mélanger et je vais pouvoir repousser ma peinture. 180 c'est peut-être un peu violent. Tac. On va pouvoir repousser la peinture tac. Au fur et à mesure. Donc là c'est un petit peu net, mais je peux lui demander d'aller chercher par exemple. On avait des supports secs, je crois, qui étaient pas mal pour repousser la peinture. Et je vais mélanger, je vais repousser progressivement. On va avoir vraiment la même chose que l'existence de l'outil doigt à l'intérieur de Photoshop. Donc faites gaffe parce que ça demande vraiment de s'assurer que ce qu'on fait est apprécié à sa juste valeur, ce qui n'est pas toujours le cas, mais vous allez pouvoir retrouver tout ça. Est-ce que je pense que Photoshop intégrera un jour comme clip ou Procreate des timelapses de nos travaux? Je ne sais pas du tout, rien. C'est une très bonne question. Quand j'ai besoin de savoir si Photoshop fera quelque chose plus tard. Je peux lui demander ici, vous avez un petit menu aide, alors Photoshop, Fresco ou autre, et vous pouvez demander donc, alors soit de l'aide en ligne quand vous êtes perdu, mais vous pouvez surtout demander ici, suggérer une fonctionnalité. Et suggérer une fonctionnalité, ça va nous emmener, normalement, si je dis pas de bêtises, sur des pages, soit User Voice, soit feedback.photoshop.com, sur lesquelles vous pourrez poser vos questions et vous pourrez dire, ah, tiens, j'aimerais bien savoir, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles suggestions sont à utiliser, etc., etc. Ça vous va, ça? Oui. Donc n'hésitez pas, hein. Il y a très très clairement un usage de ça. Moi, je trouve que c'est très pertinent et que ça permet vraiment de profiter au mieux de vos applis parce qu'elles font ce que vous leur demandez. Et ici, je vais donc prendre mon pinceau à sec et je vais aller gratter cette peinture. Je vais gratter, ici 16, c'est peut-être un petit peu léger, tac. On va gratter un petit peu plus loin, on va faire réapparaître du canevas, faire réapparaître de la toile dessus. On va tirer la peinture au fur et à mesure. Et on va peut-être réussir à avoir quelque chose de cohérent, de correct. Et puis surtout, on va avoir quelque chose avec de la matière, mais pas n'importe quelle matière. C'est une matière que nous, on a choisie, c'est une matière que nous, on a créée pour notre outil, pour notre pinceau. C'est pas un truc standard, on sait qu'on y a passé un certain temps, et que ce temps-là, il nous permet d'avoir exactement le rendu qui nous intéresse. Hop, là, on va partir sur du blanc. On va re-remplir notre pinceau, un petit peu plus large. On va réinitialiser la brosse. Tac. Alors, il y a un autre truc que vous. Je sais pas si vous l'entendez avec le micro. C'est que mon pinceau sur l'iPad, en fait, c'est une matière, donc, de pinceau relativement raide sur une matière qui ressemble à du verre, le fameux Gorilla Glass. Et du coup, j'ai toujours le petit tap tap tap. Si ce petit tap 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 vous énerve, si ce petit tap 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 vous agace, vous pouvez tout à fait reprendre votre contenu et vous pouvez rajouter une épaisseur sur la tablette. Ça, c'est un truc qui est tout à fait possible. Est-ce qu'on a quelque chose là-dessus sur l'étalement? Je suis en train de récupérer de la couleur, mais de partout, partout. Pas juste ma couleur de base, mais la couleur suivante.
et je vais pouvoir aller gommer maintenant, parce que c'était quand même mon but de départ. Je vais pouvoir aller gommer, et là vous voyez que le carré granuleux de 9 il est un peu petit. Tac. On va pouvoir essayer de nettoyer un petit peu tout ça et redonner une forme décente et correcte à cette illustration. Ça vous va ça? Ok. Moi, ce qui va m'intéresser aussi là-dedans, je vous dirai si ça vous botte, si ça vous parle aussi, c'est justement que je vais pouvoir à chaque fois faire varier en fait différents paramètres de mon pinceau. Là, je suis en train de peindre avec un pinceau qui est transparent et je ne vais pas forcément m'occuper de ce qu'il y a dessous. Je vais pouvoir récupérer par exemple la couleur ici du bras de Gudetama, tac, et je vais pouvoir peindre à l'huile ce bout de bras. Ce qui sera utile pour vous aussi, c'est que par défaut, tac, par défaut en fait mon pinceau, donc il recharge la couleur et il prend de la couleur, mais un peu comme on l'avait tout à l'heure dans Photoshop avec les mixer brush, c'est-à-dire qu'il peut prendre soit ma couleur de départ, soit comme on le voit ici, donc au fil de la peinture, en fait il va aller piocher les couleurs autour. On va regarder les couleurs récentes par exemple. J'ai pas grand chose en couleur récente. On va l'aider. On va lui donner un peu plus de couleur, un petit peu plus de patate. Et on va augmenter un peu sa taille. Il nous dit penser à enregistrer de temps en temps. Via le centre supérieur du cadre, menu enregistrer. Alors vous pouvez penser à enregistrer de temps en temps, mais alors rassurez-vous sur un truc, c'est que comme on est sur un appareil mobile, une des premières fonctions qui est faite par tous les développeurs, et pas uniquement ceux d'Adobe, hein, il y a une grosse recommandation qui leur est faite justement de sauvegarder régulièrement en automatique, histoire que votre utilisateur qui perd sa connexion, votre utilisateur qui perd son usage du téléphone à un moment T, eh bien, il pourra quand même rejoindre, il pourra quand même reparticiper. Et retrouver tout notre contenu. Un autre truc, regardez bien quand je gomme ici. Je suis en train de gommer. Et vous voyez que je ne suis pas juste en train de gommer, je suis en train de gommer du relief d'encre. Pensez bien que quand on est sur les calques dynamiques, donc les calques d'huile, les calques de matière, on n'est pas juste en train de gommer de la peinture posée à plat, on est en train de gommer l'épaisseur de la peinture, et ça va vraiment dépendre du choix de peinture que vous aurez choisi, du choix de matière que vous aurez mis en place. Ici, donc, je reprends ma peinture, je vais mettre un peu plus saturé, un peu plus vif. On va lui dire qu'on va mélanger plus ou moins la peinture. Donc là, mélanger trop, il va tout de suite se mixer. Ou au contraire, mélanger moins, il va conserver beaucoup plus la couleur qu'on a mise en place. Et vous vous rappelez, je recharge la couleur pour être sûr de pouvoir récupérer le contenu. Est-ce que ça vous va, ça? Ok. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis en train d'avancer tout doucement sur le grand œuvre du jour. Okay.
Du coup, Charles, est-ce que c'est la question de sur le timelapse? Est-ce que vous l'avez trouvé? Il y a un autre point qui va être utile et intéressant, je pense, pour vous en termes d'usage de cette appli. C'est le même truc que ce qu'on avait dans Photoshop et que je trouve assez pertinent en termes de dessin. Alors je crois que Kyle nous l'avait présenté la dernière fois. On va pouvoir revenir, je vais nous faire une nouvelle illustration, un nouveau dessin. Est-ce que l'outil texte sera disponible sur PC Surface, nous demande Martine. Oui, je pense. Je pense que c'est prévu. Je ne sais pas du tout à quelle échéance, mais il n'y a pas de raison que ce ne soit pas prévu. L'outil texte, il est quand même hyper pratique pour ça. Hop. On peut écrire, par exemple, qu'est-ce qu'on va écrire ici? Masque Pro, tac. Et du coup, une fois qu'on a choisi notre texte, que tout est sélectionné, je peux lui dire, voilà, on va choisir la typo. Et là où vous allez avoir, enfin en tout cas moi je trouve ça vraiment cool, c'est qu'on travaille en fait sur le Creative Cloud. Et si on travaille sur le Creative Cloud, non seulement on va faire les contenus, mais en plus on va pouvoir rajouter des polices qui font partie de notre contenu. On va pouvoir lui demander d'aller piocher plus de polices, si on en a plus, qui sont disponibles là. Alors, ça, c'est la partie qui fait râler les typographes, mais c'est pas très grave. C'est la partie justement où on va chercher où les typos ont été rangés par mots-clés. Le mot-clé n'est pas toujours hyper pertinent. Je trouve ça pas si grave que ça. En tout cas, vous avez largement de quoi faire. Vous cherchez des calligraphies parce que vous avez besoin de faire un titre calligraphique joli. Ben, vous pouvez aller piocher là-dedans et trouver celle qui va correspondre le mieux à votre demande. Hop. On va ressortir les polices. On va revenir par exemple à la taille du texte. On peut même le faire du coup en sélectionnant l'objet. Et juste en sélectionnant le calque, j'ai pas besoin de sélectionner dedans. Et du coup, on va pouvoir voir notre contenu, on va pouvoir voir si ça correspond bien à ce qu'on cherchait. Et le truc, c'est qu'en choisissant justement une typo là-dedans, alors je peux lui dire, tiens, j'aimerais bien avoir du title case. Ça marche pas du tout. Donc non. On peut tout à fait lui demander à partir de là, eh bien là j'ai un calque de texte, mais ce calque de texte, en fait, comme je suis dans Fresco, qui est l'équivalent d'un Photoshop, je peux tout à fait peindre dans mon calque de texte. Et je peux peindre dans mon calque de texte avec, c'est ici sur le côté droit, alors je ne sais pas si ça se voit, on va refermer les propriétés du calque. Ici, juste à côté du calque, je vais pouvoir faire un calque de décrétage. Du coup, ben, je peux reprendre même, pourquoi pas, donc on va prendre, alors je vais changer la couleur de celui-ci, je vais lui demander d'être, non pas en noir, mais en blanc. Hop, propriété. Supprimer le calque. Le texte peut-il devenir un dessin comme quand on le vectorise sur Illustrator? Ouais, on peut, on peut. Hop. Je suis en train de chercher quel moment je vais pouvoir changer la couleur de mon calque. Voilà. Pardon, autant pour moi, j'étais tout perdu. Donc là, je vais le mettre en blanc volontairement. Et là, maintenant, je vais pouvoir utiliser le calque du dessus. Et le calque du dessus, du coup, je vais lui donner une couleur. Et tout à l'heure, on a beaucoup travaillé sur l'huile. Là, on va travailler un peu sur l'aquarelle parce que j'aime beaucoup quand même. Et je vais lui demander de prendre une grosse brosse d'aquarelle. On va choisir une couleur, peut-être de fin d'après-midi, plage. Voilà. Et on va aller peindre là-dessus. Et vous allez voir se diffuser tranquillement ma couleur. Et le truc, c'est que je peux juste diffuser la couleur. Je pourrais tout à fait lui dire que plus on descend, plus on va avoir des fonds marins complexes. Et vous allez les voir réapparaître au fur et à mesure. Vous allez pouvoir voir la couleur se diffuser.
Et comme j'ai choisi cette fois-ci non plus un calque huile, mais un calque aquarelle, quand je vais double-cliquer ou quand je vais appuyer tout simplement dessus, eh bien cette fois-ci, je vais peindre avec de l'eau. Et vous allez pouvoir regarder votre peinture se diffuser. Et perso, je trouve ça assez magique de voir la peinture se mettre à jour, de voir l'encre couler réellement dans les objets. Maintenant, je peux lui dire, pardon. Maintenant, je peux lui dire qu'on va baisser la taille du crayon, qu'on va choisir peut-être un pinceau plus saturé à ce point-là. À vous de trouver le juste ratio, mais moi ce que j'aime bien là-dedans, c'est que tout est très naturel, tout est très. Enfin, c'est complètement fait à la main. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas d'algorithme pour faire ça. Alors si ça vous plaît, vous pourrez reproduire bien sûr. Mais dans un premier temps, tac, on reste sur ce contenu-là. Oui. C'est magique. Tout à fait. Si je veux déplacer mes petits calques, eh bien je peux lui faire appuyer, sélectionner l'autre calque. Du coup, j'ai accès par exemple à la notion de mouvement, de déplacement, pardon. Je vais garder ça. Ok, je vais désélectionner là. Et je vais pouvoir lui demander justement comment on va, qu'est-ce qu'on va dessiner en plus. Pas forcément en écrêtage d'ailleurs. Tac. Je peux reprendre un pinceau lavis pour le ciel. Très dense au début. Et puis plein d'eau derrière. Donc plein d'eau, ça veut dire hop, beaucoup de flotte. Et vous pouvez regarder la peinture couler dans le ciel. Ça vous va ça? Ok, combien parmi vous ont été en train de dessiner, étaient en train de peindre en parallèle? Est-ce que vous avez fait des trucs cool? Est-ce que ce sont des choses qu'on peut voir? Si je clique sur sur les identifiants Behance de tout le monde, j'espère que vous penserez à rajouter aussi les bouts de réseaux sociaux, les bouts de story, etc. S'il y a des gens que j'ai pas encore vus dans le chat, ben ce sera l'occasion justement de regarder de regarder les profils, de regarder qui fait quoi, de regarder, d'identifier les utilisateurs. Je vérifie que j'ai oublié aucune question là-dedans. Normalement, ça a l'air d'aller. Si, il y a un petit truc que j'avais fait que j'aimais bien aussi. C'est que je suis allé chercher donc via mon Creative Cloud, via mes bibliothèques. Je suis allé chercher dans une bibliothèque que j'avais fait exprès pour la partie. Alors c'était pas sur celui-là. Pour la partie dessin et papier. Grande question, est-ce que je vais réussir à remettre la main dessus? C'est que ça commence à faire un paquet de bibliothèques, un paquet de travaux différents. Est-ce que c'est une bibliothèque qui a bougé il n'y a pas très longtemps? Avec plein de pinceaux d'ailleurs sur la session Photoshop. Voilà. C'était donc eux que je cherchais. Deux papiers. Du papier froissé, du papier mélangé, du vieux cadre photo. Donc on va prendre celui-ci par exemple. Pas très grand, mais on devrait s'en sortir avec. Tac. Je peux tout à fait prendre mon papier.
Je peux choisir de le mettre au-dessus ou en dessous en fonction des besoins, de vos habitudes. Et là, je peux lui dire, bah, du coup, on va travailler, sinon en obscurcir, peut-être en incrustation, pour pouvoir retrouver en fait une valeur, pour pouvoir retrouver un petit côté vraiment papier aquarelle qui aurait bu complètement notre contenu. Et moi, je trouve ça assez cool. Donc là-dessus, j'ai choisi une lumière crue dessus. C'est pas obligatoire, hein, vous de tester les différentes options, retrouver ce qui marche le mieux par rapport à votre besoin. Est-ce que la luminosité est suffisante? Quitte après à trouver la bonne formule par rapport à vos habitudes, et en ayant trouvé donc la bonne formule, pouvoir réutiliser par la suite ce type de papier et se dire bah ouais, là c'est bon parce que là-dedans j'ai bien donc l'épaisseur du papier, j'ai bien le papier qui a ancré dessus. Je suis pas obligé de conserver, je peux baisser un petit peu l'opacité du contenu et c'est assez cool. Voilà. Clémentine suit bien le live, elle est prête pour l'interro. Moi, je veux pas une interro, moi, je veux des résultats. Je veux pas vous interroger, je veux m'assurer que vous fassiez des trucs cool et que vous nous les montriez après. Ok. Des fonds marins pour un petit livre jeunesse. C'est une bonne chose. Ça vous va, ça? Vous avez préparé un petit peu de contenu en termes de mélange de couleurs aussi. J'étais allé regarder justement parce que le travail sur les encres à l'intérieur de Fresco, il a été assez intéressant. Toujours donc sur ces contenus de couleurs, où finalement on peut partir sur des couleurs existantes et on peut travailler vraiment avec les aquarelles par exemple. Hop, aquarelle 180. On va pouvoir lui dire qu'on veut bien reprendre la version de base. On peut tout à fait mélanger. Ici, je suis très très dense en termes de flux. Et vous voyez qu'il ne se mélange pas des masses. Le débit d'eau, on peut le pousser. N'hésitez pas quand vous êtes en train de faire des lavis. Poussez votre débit d'eau, vous allez voir que tout de suite, votre aquarelle va couler sur le papier et va tout mélanger progressivement. Donc plus de débit d'eau, un petit peu moins de flux, il n'y a pas besoin de grand-chose. Et vous allez récupérer vos couleurs et vous allez pouvoir travailler. Donc si je prends une couleur complémentaire, je vais me retrouver sur du gris au milieu. Ça, on va neutraliser la couleur au fur et à mesure. Mais si je prends des couleurs adjacentes, on va avoir vraiment la création d'autres couleurs. Et ce qui sera assez cool là-dedans, bah, c'est qu'on pourra continuer là-dessus. Alors Guillaume nous dit qu'il a terminé l'illustration à l'instant. Ah, bien. Il faudra qu'on regarde ça. Je suis assez pour regarder, retrouver les contenus de la communauté là, pendant les lives. Et petit truc qu'on avait vu notamment dans le live avec Kyle, hein, si vous prenez votre pipette, par défaut, donc la pipette elle prend une couleur, et si vous lui demandez d'aller piocher multicolore, et bien ici par exemple, je vais avoir une pipette, on le voit dans le coin en haut à droite, on va avoir une pipette qui va aller piocher plusieurs couleurs en même temps. Et si je veux attraper une grosse zone de couleurs très différente, très variée, je vais aller chercher toutes ces couleurs-là. Maintenant, j'ai plus qu'à utiliser cette couleur. Et j'utilise dès le départ, en fait, les couleurs qui ont été proposées. Et ça, c'est assez magique, justement, pour pouvoir vous faire des formes, pour pouvoir vous faire des fonds de matière. Et là, on a du débit d'eau à fond, on a du flux à fond pour la couleur. Et là, vous voyez que ça se mélange hyper, de manière un peu fluide. Je peux aller chercher ça, pareil, peinture à l'huile un peu épaisse. Voilà ce qu'on va pouvoir fabriquer comme matière. Allez, sur ce, je vois que la session va toucher à sa fin. Et si la session touche à sa fin, bah, c'est une bonne occasion pour se dire à très bientôt. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie de vous remettre à la peinture.
Charles nous dit, c'est un vieux fantasme de geek aquarelliste, le truc de dingue. C'est assez ouf cet effet aquarelle. Alors attention, hein, l'aquarelle elle coule pas. Si vous retournez l'iPad, vous avez quand même la même, vous avez la même couleur au fond. C'est petit détail. Je sais que pour certains, ça peut manquer de pouvoir faire des taches de patounes dessus. Derrière, pourquoi pas aller regarder au niveau des tampons. Tac. On a pas mal de tampons à l'intérieur de Fresco. Je crois que j'en avais fait avec vous. Oups. On va essayer de se trouver juste des brosses. Une petite musique d'ambiance pour la fin. Hop. Ouais, celui-ci est pas mal. Check. Du coup, je peux sélectionner toute cette zone-là. Il va me faire une sélection de la forme de mon tampon, qui est un tampon vectoriel. Et une fois que j'ai la sélection de mon tampon vectoriel, je lui demander d'inverser la sélection. Et puis on va aller gommer, mais on va aller gommer avec un pinceau un peu crade. Tac. Un peu crade, mais beaucoup plus gros que ça. Ça vous va ça? Hop, allez. Sur ce, bonne fin de journée à tous. On se retrouve donc, nous on se retrouve demain. Demain c'est une journée avec Xavier Portella, une journée photo, photographie entre Photoshop et Lightroom. Vous allez voir, il a un univers hyper coloré en termes de couleurs. De temps en temps, on va se retrouver un petit peu sur ce qu'on avait fait avec Aichi, c'est assez chouette. Vous verrez que c'est très varié. Il y aura de la 3D avec Vincent Gau, un jeudi qui arrive, toujours à 14h. Et on terminera la semaine, ce sera Pauline qui terminera avec Camille Buisson pour une session branding et business. Et si vous regardez en bas, vous pouvez revoir tous les replays, vous pouvez revenir, même URL, et tous les jours, même heure, même adresse. Bye bye!